Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder Soul Suspect. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans le commissariat, alors qu'on s'était arrêté devant, hein, mais c'est tout simplement parce que j'ai dû accéder au point de contrôle, sinon je devais tout recommencer. Et donc je suis rentré. Malheureusement, il y avait une cinématique que je n'ai pas enregistrée, mais rassurez-vous, hein, rien de très spécial, c'est juste ce héros qui dit oh mais ça me rappelle des souvenirs, oh là là. Enfin voilà, rien de très très impressionnant. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors posséder. Il faut faire confiance au département. Ok, on s'en fout. Aha. J'aimerais pouvoir dire que c'est le truc le plus bizarre que j'ai vu ce soir. Ah, c'est marrant. Allez, ramasse, chien de la police. Waouh, alors là, ça c'est les effets les effets spéciaux que j'ai, les meilleurs que j'ai jamais vus, quoi. Le vent en fumée, quoi, c'est fou. Alors, examiner les détails. Ah d'accord, ça m'a permis de... Cause de décès... Mais on parle de quoi là? Je sais même pas ce que c'est. Traumatisme de la nuque et du larynx, probablement causé par un garrot. Abrasion importante aux poignets et aux chevilles, due selon toute vraisemblance à une friction d'une corde en chanvre, tout comme dans le cas des autres meurtres du crieur des morts. Aïe aïe aïe. D'accord, donc ça c'est tous les meurtres du crieur des morts. Alors, posséder. Où est ce fichu dossier du crieur des morts? Je l'ai laissé dans mon bureau. Tu sais que t'es au commissariat, hein, t'as qu'à aller au bureau et puis voilà, merde pas ton monde. Non, chef, je vous assure que moi aussi ça m'intéresse. What? Non, pas de suspect pour l'instant, chef. Votre commandement laisse à désirer, lieutenant. Peu importe qui a laissé Ronan y aller seul, vous êtes responsable. Nous avons perdu l'un des nôtres, et vous me dites que vous n'avez aucun suspect, aucune piste? Écoutez, capitaine, il portait des gants, et visiblement il n'a rien touché dans l'appartement, mis à part la poignée de la porte d'entrée. Il n'a laissé ni empreinte, ni fibre, ni rien qui nous permette de l'identifier. Et si vous vous imaginez que j'ai pas envie de le faire payer, vous vous trompez méchamment! Maîtrisez-vous, Rex. Tout le monde sait qu'il était votre beau-frère. Pas la peine de le répéter. Relâchez encore votre attention. D'autres policiers vont suivre Ronan. Vous me comprenez? Retrouvez ce mec. Au moins un indice qui nous le serve sur un plateau. Vite. C'est un ordre. Oui, compris, chef. D'accord. Donc en fait, il couchait pas du tout avec la meuf. C'était son frère, en fait. Que je parle mal, sérieux. Je suis une mauvaise langue. Quel est le rapport avec le symbole du crieur des morts? C'est le symbole laissé par le crieur des morts sur les lieux du crime. Quel rapport entre la cloche et ses meurtriers? Mais en fait, il me pose que des questions. Moi, j'en sais rien. Victime. Ah. Ces victimes étaient toutes des femmes, aucune trace d'agression sexuelle. Putain, il fait les choses à moitié en plus. moi, je suis pas une femme, par contre. Ajouter les développements récents, Stuart. Stuart cherchait à mettre à jour le dossier avec les événements récents. Que s'est-il passé? Allez, on va activer le téléphone. D'accord, il n'y a personne qui répond. S'il faut, c'est urgent, hein, les gars. Non, je veux pas le posséder. Allô? Bon. Bon, par contre, je viens de voir un truc, voilà. Y a-t-il des nouvelles pistes dans cette affaire? Arrivée du corps à la morgue. Mon corps a dû être amené ici, c'est à la morgue. Ils sont certainement en train de le préparer pour l'autopsie. C'est fou.
D'accord, ok. J'ai trois choix, j'ai trois chances d'erreur. C'est n'importe quoi. Ça sert strictement à rien en fait, ça, les trois trucs là. Cause du décès. En attente des résultats de l'autopsie. Analyse préliminaire, pas de fibres ni de sang du suspect ADN, aucune empreinte laissée. Allez, on va faire ça. C'est la première fois qu'on est aussi près d'identifier le créateur des morts, mais ils n'ont rien pu en tirer. Toi, t'as toujours rien à dire, non? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Parce que 7 sur 11, c'est qu'il doit y avoir d'autres trucs. Non, toujours pas. Hein. Toi, t'es toujours au téléphone alors qu'il a raccroché? Mais t'es pas doué! T'es pas doué, mon gars! Ah. Ça, j'ai pas vu ça. Ah, il ressemble à ça! Mais il est moche! Mais il est trop laid! Il a des cernes de fou aussi. Alors, approximativement 1m90. Approximativement 95 kg. Carrure athlétique. Ah bah, vu comme il m'a porté, c'est sûr, hein, c'est pas un maigrichon le gars. Blanc, couleur des yeux bleus. Porte toujours un masque ou une capuche. Ah, il a un masque aussi? La police pense que le créateur des morts a les yeux bleus. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder son visage. Ok, alors toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Suggérer. Attends, d'abord, je vais voir si tu réponds au téléphone. Même pas! Tiens, je vais le réactiver pour le fun. Oh, on peut pas. Oh, dommage. Alors, suggérer. Voilà, il m'en manque un. Qu'est-ce qui pourrait le faire se souvenir? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Hein. Je vais voir ça pour voir s'il sait quelque chose. Non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Non plus. Attention, dernier choix. J'espère que ça va pas tout me faire recommencer, parce que... Non, ça m'étonnerait. Bah, il est à côté, allez. Ah, bon... Eh ben, c'est pas maintenant qu'on va voir. Hein. Ah, je vais bien finir un jour par me tromper. Hein. Il vient juste de mettre à jour le dossier sur les locataires disparus. Il détient peut-être des informations intéressantes. Oui, c'est ça! Voir. Cassandra Foster, 42 ans. Résidente des appartements Régal, médium professionnel et profileuse, consultante pour la police de Salem. Vue pour la première fois par ses voisins il y a 2 semaines, pas de casier judiciaire. Joy Foster, 15 ans. Vit avec sa mère, Cassandra Foster. Lieu de résidence du père inconnu. A arrêté les études il y a 2 ans, a fugué des antécédents de délinquance juvénile, vol, violation de domicile et une condamnation pour entrée par effraction. Alerte, Amber pour Joy Foster annulée en garde à vue. Hein? Ok, allez. Ah, le témoin est en garde... Ah, d'accord, elle est en garde à vue, ok. Ok, je resitue la chose. car les témoins étaient placés, elle se trouve sûrement encore dans les cellules. Terminer l'enquête. J'ai plus rien à apprendre ici. Je ferais mieux de trouver ce témoin. J'avais 10 sur 11 indices. Retrouver le témoin dans la cellule. Est-ce qu'une équipe d'intervention pourrait en venir à bout? Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter, non? Non, il n'y en a pas. Arrêtez, c'est moi qui vais l'arrêter, c'est un fantôme. Vous allez vous faire niquer votre suspect par un fantôme. Téléphone! Ça
ça sert strictement à rien. Jennifer mince vue pour la dernière fois par ses amis au cimetière à la suite d'une fête. Ok, on s'en fout. J'affirme rien, mon gars. Je suis pas de la criminelle. J'ai commencé il y a à peine 6 mois. Est-ce que les flics se font tuer souvent? Non, ça va, Hugh, calme-toi. Regarde-moi, 20 ans de service et pas une égratignure. Ça fait toujours un choc, par contre. Certainement parce que c'est si rare, justement. Ouais, enfin, ce serait pas mieux si c'était plus fréquent. J'aimerais aller sur le terrain un jour, mais... disons que... Est-ce qu'on est en sécurité au poste? Mais oui, allez, arrête de chialer. La bonne nouvelle... Allez, pousse la bouffe par terre. Non? Oh oh! Ah, j'aime bien les trouver, ça, ça fait des histoires. Bon, après, par contre, quand je les aurai tous trouvés, je le mettrai comme dans l'ancienne vidéo avec un moyen de passer parce que c'est long hein, quand même. Si vous avez pas forcément envie d'entendre ça. Encore Baxter! Oh, de ta bonne fan. Ah, pourquoi il n'y a pas de voix? Tu sais très bien que je ne crois pas au surnaturel, mais elle tient quelque chose. Les résultats ne mentent pas. Si tu as une meilleure idée, je suis preneur. Baxter travaille encore sur l'affaire du créateur des morts, bien qu'il ait été transféré. Ça sert à quoi? Hein? Tu veux me venger? Oh, c'est mignon. Mais je n'y crois pas une seule seconde. On peut pas prendre des armes? Pour les fantômes, là, ils me font chier. Ah merde, je peux pas passer à travers, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du café. Enfin, je vais pouvoir boire un café. Ça fait du bien, le café. Ah non. Waouh, le rebelle, il fait couler le café dans le vide. Oh là là. Soyez pas tech. Bon, vous voyez hein, comment ça se passe si vous voyez des trucs surnaturels. C'est parce qu'il y a un fantôme. Oh, pas de gonzesse dans les toilettes. Dommage. Ok, il y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je passe, hein. Je passe, je passe. Je relirai tout moi-même dans les vidéos. De toute façon, pendant mon montage, je lis tout parce que j'aime quand même... J'aime quand même lire. Waouh! Je fous le bordel au commissariat, quoi. Voilà, j'aime lire quand même parce que ça m'intéresse. Mais si je devais tout lire, ça serait trop long. Bon, pareil, lire des pensées, on s'en fout un peu. Alors, je suppose que c'est par là, donc je vais pas aller par là. Par contre, non, il y a rien. On sait jamais, il y a peut-être un fantôme. D'accord, donc là j'y suis déjà allé. Est-ce qu'il faut monter ou pas? J'ai pas envie de finir de suite, j'ai envie de continuer. Bon, ben, je pense que c'est encore... C'est pas là, je pense pas que ce soit là. Alors, on va visiter. Là-bas, quelque chose. Voir ma vie défiler. Ah ben si, même quand il avait raison, il avait tort. Baxter a cru pouvoir me faire chanter avec mon passé comme si mon passé en lui-même ne suffisait pas. Oula, là je peux foutre le bordel, là je peux vraiment foutre le bordel. C'est parti, go 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 go, foutage de bordel de fou. Allez, on fait téléphoner tous les nus. Ventilo, téléphone. C'est le gros bordel, imprimante, téléphone, machine à café. N'importe quoi le gars, sérieux. Ils vont péter un câble les gars. Non, même pas. Oh, c'est nul. Je pensais qu'ils allaient faire quelque chose, tout ça j'ai déjà fait.
Ah, énorme. Là, j'entends des bruits. On s'en fout. Détective Office. Ah d'accord, c'est ici. Ouais, je peux pas passer donc par là. Tu l'as soigné, frérot, la maladie qui torturait ton esprit. Tu l'as lui rendu supportable, j'espère qu'au moins vous êtes enfin réunis. Rex est reconnaissant à Ronan d'avoir eu. Ok. Ah, elle était malade, la pauvre. Oh là là. Bon. Y a pas quelque chose d'intéressant là. Tous ces fantômes, ça m'inspire pas confiance. Là encore un truc. Ah ah! Plus que 5! On s'en fout. Un policier en civil. Ouh, celui-là, c'est une grosse imprimante. Bah, bordel! Allez, plus que 4, oui. Ok, bon c'est grand, c'est immense. Comment je vais faire pour tout parcourir sans me perdre? Je suis déjà perdu en fait. Est-ce que j'y suis déjà allé là? Non, j'y suis pas allé. Bien que les meurtres soient différents sur la forme, on y retrouve une frénésie commune. Aux yeux de la police, les meurtres peuvent donc paraître aléatoires et sans lien entre eux, mais pas pour Baxter. Je ne lui fais pas vraiment confiance, mais il est mon seul espoir. What? Genre en fait, toute cette enquête va tenir sur Baxter, quoi. Le mec qu'on n'aime pas. Le mec qui ne nous aime pas non plus, d'ailleurs. Hein. Ok. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas de la voix du gars par contre. Hein, Mais bon. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout vu. On va redescendre alors. Hein. En espérant qu'on ait rien oublié. Hop. C'est par où qu'on redescend? Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Ça m'a l'air d'être par là. Ah ah! Je n'avais pas vu ça. Plus que 3! Wouhou! Voilà, c'est ici qu'on redescend. Comme j'ai pas envie de faire comme tout le monde, je vais descendre là-bas. En sautant! Ouais! Super! C'était génial, c'était utile, c'était super. Bon, allez, on va là-bas où je pense que c'est les toilettes, j'ai déjà visité. Hein. Tiens, il était pas lui. On s'en fout. Il a rien d'intéressant à dire. Ok. Toi non plus, hein, t'as rien d'intéressant. Ouh là là, non. Ouais, j'ai pas envie de savoir non plus tout le nom de chaque femme qu'il a tuée. Hein. Ça va. C'est un jeu, hein. C'est pas une vraie enquête. Robinson interroge la fille en ce moment. Alors elle sait quelque chose? On verra bien. Robinson a l'air d'un gentleman, mais crois-moi, il sait faire parler les suspects. Ouais, il sait y faire. Je parie sur lui. Oula, il va la taper. Je ne vois pas quel serait son lien avec l'affaire. Est-ce que je pourrais apprendre à interroger les gens? Tu leur poses des questions, quoi. Des chips. Y'a trop de monde, c'est trop grand!
Alors, où c'est qu'elle est que j'y aille pas, que je puisse visiter tout le reste. Oh, mais on s'en fout. Encore ? Mais il en a tué combien ? Quand une affaire ressemblant à un accident, mis à part le symbole de la cloche à main dessiné par un... Oh là là. Je passe ma vie à trouver des trucs et ça, il y en a tellement, mais ça sert strictement à rien. Un peu d'histoire pour vous. Bon bah ça doit être par là, hein, écoutez. Oula, la prison. Bon, je suppose qu'elle est pas en prison, hein. Elle doit être... c'est une témoin, c'est pas... Oula. La vision m'a semblé bizarre. Hein. Très bizarre même. Et je sais toujours pas ce que c'est ça. Peut-être on le saura plus tard. Pourquoi il y a un fantôme en prison? T'étais là pourquoi? C'est une très longue histoire. Disons que j'allais pas laisser un juge décider du restant de mes jours. C'est mon choix. Alors, j'ai choisi. Et maintenant? Quel intérêt à ressasser le passé, hein? Si c'était si inutile, tu serais pas là. Je peux t'aider? Non, c'est gentil, mais t'as l'air d'avoir tes propres trucs à régler de ton côté. Je me débrouillerai tout seul. Comme toujours. Merci quand même. Ok, alors le gars, c'est un flic qui demande à aider les criminels maintenant. Tu sais pas ce qu'il a fait, hein. Ah, il s'est pendu. Oh. On peut pas voir comment il s'est pendu. Non, c'est trop dark après. Qu'est-ce que t'as à faire? Ça ira. Oh, mais allez, laisse-moi t'aider. Bon, tant pis. Oula. Mais c'est moi? Si seulement je pouvais dire au jeune Ronan ce qu'il allait devenir. Ouais, donc en fait, je suis... J'étais en prison là où je suis devenu flic. Il y a un fantôme juste là dans cette cellule. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas me garder ailleurs? What? What? Le raffinement et l'influence ne font pas la pureté. Le raffinement pas la pureté. Vois pas, il est juste là. Enferme à l'asile avec les baboules. D'où tu vois les fantômes? Vraiment pas. Mais comment ça se fait que toi tu vois les fantômes là? Ouais, en fait le truc il sert strictement à rien puisqu'on peut passer à travers les murs. Salut toi, tu vois, tu me vois toi aussi? Mauvaise cellule. La tienne devrait être capitonnée. We are all in tap, shift now. Je suis nul en anglais donc je sais pas ce que ça veut dire, désolé les gars. Il va falloir utiliser Google Traduction ou être fort en anglais. Alors, ouh la morgue, je vais peut-être voir mon corps, enfin revoir mon corps du coup parce que... On l'a déjà vu mon corps, alors qu'est-ce que... Allez, direction la morgue. C'est mon corps là-bas? Ouh, ça fait flipper. What? Pourquoi tu regardes ça? Allez, petite. Pourquoi tu regardes ça? Pitié! Faites que ça s'arrête! C'était moi, mon corps. Ah bon, on avait deviné, hein. J'allais devoir les regarder me disséquer. Oh! Les organes. Ils s'étaient posés sur la table. Il y avait tellement de sang. C'est glauque! On aimerait tous avoir le pouvoir de faire ça.
Mais c'est impossible. Ça ne sert à rien. J'aimerais bien me voir me faire disséquer. Pourquoi je me suis fait ça? Et maintenant, je veux sortir d'ici. Moi aussi, petite. Moi aussi. Ce n'est qu'un mauvais rêve. D'accord. Mais on peut pas te ramener dans... Je veux te sauver, moi. Je veux te sauver la vie. Il y en a des morts, hein, quand même. Un tatouage en forme de toile d'araignée témoigne d'un séjour derrière les barreaux, non? Je ne vois pas pourquoi il y aurait deux araignées dans la toile. Ouais, il a dû se tromper. Comment ça? Je me suis pas trompé. Je n'en sais pas plus. Reste concentré. Pourquoi le vieux est aussi sévère? On ne te paye pas pour faire des dissertations sur les On n'apprend pas la vie à l'école de médecine. On dirait qu'il a toute une confession sur son bras. Une confession de... plein de trucs. Ici, on respecte les morts, d'accord? Je peux pas avoir ma vie? N'oublie pas ça. Je suis bloqué. Ah. Vision de mon propre cadavre. Rien ne vous prépare à ce genre de choses. Voir son propre cadavre, il a l'air tellement vide. Bon sang, j'ai vraiment une gueule de criminel. Moi, ouais, j'avoue. Bon, tout ça pour ça, donc. Tout ça pour ça. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ah ah, encore quelque chose. Ah, bien. Plus que un. J'espère pas te trouver dans cet épisode parce que ça risque d'être un peu trop long pour vous. Et l'épisode risque d'être vraiment très long aussi. Ah, elle est là. Elle est là, et ben voilà. Et bien voilà, et bien voilà. Bon bah c'est parti hein. Chacune de ces clés constitue un délit. Chacune. Tu saisis hein? Non? Ok, tant pis pour toi. Installe-toi, relax. Tu vas être là un moment. Chier! Bon écoute. Écoute, je peux peut-être faire quelque chose. Est-ce que le carnet de ta mère sur le crieur est ici? Ouais. Et il m'aiderait sûrement à retrouver ma mère. Mais comme je te le rappelle, t'es mort. Qu'est-ce que tu comptes faire pour m'aider? Hey. Je connais cet endroit mieux que toi. Avec qui ta mère travaillait ici? Qui? Je ne sais pas. Elle l'appelait juste Bâtard. Baxter. Baxter! Son bureau était au deuxième. Viens avec moi, je t'y emmène. On bouge. Et où on va? Il surveille. Pas pour longtemps. Et donc, on se retrouvera dans un prochain épisode où on libérera le témoin et où on ira dans le bureau du bâtard. C'est le bâtard. Allez, je vous dis bisous à tous. Bye bye.